Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Vous savez, ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi, c'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires et seulement les vraies affaires. Alors bonjour à tous, je suis très content. Ceci, c'est la première capsule de l'année. Les capsules se veulent d'être toujours légèrement intemporelles, mais du moins, je suis capable de vous dire que, quand même, c'est la première de 2019. Et la capsule d'aujourd'hui est une capsule qui est un petit peu plus introspective. OK, alors du moins, je vais vous montrer un peu c'est quoi l'idée. C'est pour vous donner un leitmotiv vraiment pour être capable de partir votre année. Alors premièrement, bonne année. Bonne année à tout le monde. Claudius, salut Claudius. Claudius qui nous a mangé une crise de la salle pendant le temps des fêtes. Bon, en tout cas, moi, personnellement, moi, toute l'adrénaline de l'année a redescendu. Moi, j'ai pris 3 semaines de vacances. Mais j'ai dû en passer 2 sur la face, là, carrément. Là. Claude, il a fait la même affaire. Effectivement, Claudius était malade aussi. Là. Mais du moins, je pense que ça a été une grosse année pour tout le monde. 2018, ça a été une année très mouvementée. Oui, effectivement, qui amène du très bon, mais qui a été très lourd et très pénible. Oui, parfait. Alors, cette année, alors je vous souhaite à tous, à chers auditeurs du Show du Pro, une excellente année remplie de succès. Je vais vous demander un gros service cette année, et de façon individuelle. Alors là, en ce moment, on sait qu'on remplit à peu près le centre Vidéotron, la moitié du centre Vidéotron à toutes les semaines. On est rendu là. OK? C'est pas mauvais, là. Tu sais, je mets pas des petites vidéos de Chuckyot qui jouent avec des balles, moi, là. Ou bien des tackles qui ont des habits de soute de Noël, là. Pas ça que je fais, OK, right? Donc, moi, ce que je vais faire avec vous, je vais vous demander un gros service cette année. Quelque chose de très simple. Vous tous qui êtes abonnés à la chaîne, vous tous qui regardez le show, vous tous qui êtes là semaine après semaine à m'encourager, merci. Merci d'être un auditoire et un public aussi assidu et merveilleux. Je vous demande une chose. Abonnez une personne à la chaîne cette année. Une. Partagez avec le plus de monde que vous êtes capable, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-le. Abonnez une personne. Si vous faites ça, on va commencer à jaser encore pas mal plus. Mes commanditaires vont être contents. Moi, je vais être content. Vous autres, vous allez être contents. On va avoir plus de sujets à partager, de savoir, etc. Tu sais, comme on dirait à la gang, ça va aller mieux, OK? Alors, c'est votre mission pour cette année en 2019, chers auditeurs. Vous abonnez une personne. C'est tout. Je ne vous demande pas plus. Le reste, c'est moi qui vous le donne. Right? OK. On commence toujours avec les présentations duel. Planète Nutrition est seulement chez Planète Nutrition. Planète Nutrition. Planète Nation Nutrition. Là même où, si vous êtes un parfait alien, vous avez le droit d'aller vous chercher une protéine de sauterelle. Ou voire même, si vous venez d'une galaxie infinie, vous avez le droit d'aller vous chercher un corticaire pour vous slacker la face. Alors, c'est super cool. Chez Planète Nutrition. Conseil professionnaliste. Regardez aussi sur le Facebook de chez Planète. Même sur mon site internet à moi, je vous dirais, on met en relief, je fais des capsules avec David Beaulieu, qui est entraîneur professionnel comme moi. Alors, moi puis David, on fait des capsules une fois par mois chez PN, on vous présente des produits, etc. Puis si vous êtes de la région de Québec immédiate, là, tu sais, même aux alentours, Trois-Rivières, etc., bon, Rimouski, bon, vous voulez avoir des bons prix, des suppléments en masse, vous descendez à Québec directement au 670 Bouvier, local 145, sérieux.
Il y a des suppléments jusqu'au plafond, c'est à 50 pieds de haut. C'est pas des jokes, là. Vous avez le comptoir avec les viandes, avec les légumes, vous avez tout. Vous avez... C'est fou ce qu'il y a dans ce Pro Shop-là, des vêtements, etc. Bon, puis il y a le beau jeune homme, Master, qui est directement derrière le comptoir. Là. Lui, il vous accueille, il est super gentil pour ça. Il y a le gars de l'entrepôt qui est un malade. Il y a la fille des RH. Bon, ben le gros et le barbu sont plus là. Bon, ben, les gars. Il y a toujours Matt qui est là, qui est super beau aussi. Puis il y a Will qui a recommencé à s'entraîner. Là. Il est parti en voyage. Il va nous revenir avec un petit peu de soleil en calme. Ça va vraiment le rendre heureux. Right, OK. Suite à ça, ben écoutez, si vous n'êtes pas directement de Québec, vous pouvez aller voir mon chum Frank Allegra. Yes, Westside Nutrition en Europe, exact. Yes, Westside Nutrition. Vous allez directement sur la page Facebook au westside.nutrition. Alors, vous allez directement sur Facebook. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Westside.nutrition. Westside, WESTSIDE.nutrition @gmail.com. Pas Gmail, là. Tu sais, ma blonde, des fois, elle dit gay, c'est pas Gmail. C'est, j'ai rien contre les gays, mais c'est pas Gmail, c'est Gmail. J'avoue que ça porte à confusion pareil, là, c'est tannant, les gars, yes. Bon, les gars, anyway. C'est juste de ne pas se tromper. Ça se peut que le message n'arrive pas à la même personne. T'sais, on s'est entendu. Si tu fais Westside, Blackcock, Gaymail, peut-être que tu vas recevoir de quoi que tu veux pas, finalement. Là, un genre de dildo en crème à glace ou bien un cossin, finalement, que tu trouves plutôt peu ragoûtant. Voilà, bon, OK. Quoique, j'ai jamais reçu encore de G-string en réglisse. Hein, les gars, anyway, peut-être bien pas. Je sais pas si j'essayais ça, qu'est-ce que ça me ferait, là. Regarde, on a ça. Je suis pas sûr, hein? C'est pas ça. Non, non, il n'y a rien dedans. Ça sent le citron, elle est au citron. C'est supposé être correct. C'est marqué citron et sans génie. C'est peut-être ça le problème. Je sais pas, peut-être. Ah, les gars. Faudrait peut-être voir. J'ai pas eu beaucoup de nouvelles de sans génie dans le temps des fêtes. Elle a joué en double, etc. En tout cas, elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle a été nommée l'athlète de l'année par Tennis Canada. Je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai pas compris pantoute, là. Il y en a bien d'autres qui auraient passé avant elle. Il y a le jeune que je vous ai parlé avant les fêtes, Ali Yassim, que moi je trouve très, 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 très bon. Chapeau Lavov, que je trouve très bon. Je sais pas si je dis bien son nom, là, il me semble que ça ressemble à ça. Là. C'est toute la même affaire, eux autres, ça finit en pof, là, en tout cas, anyway. Puis ensuite de ça, ben je vous dirais, on en a un autre aussi, j'oublie toujours son nom. Petite demoiselle qui est black aussi, c'est le même principe. Elle est toute jeune, là. Elle a début vingtaine. As-tu le droit d'avoir sa chance, elle, au moins, là? Tu sais, parce que sans génie, là, je dirais, partie de quoi, 87-88 rang mondial, a droppé à peu près à 155-170, puis revenait à peu près à 90. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu t'en vas juste montrer si deux chics de gomme manger Simple Wood sur Instagram, si t'as juste ça à faire un show-out, à un moment donné, ça sera peut-être pas assez. Hein, t'sais, c'est pas assez. Bon, OK, on chiera pas là-dessus. En tout cas, du moins, vous voulez rejoindre Frank, c'est bien important. C'est au 1 Place Boutou. Yes, ça. C'est au département 05000 dans les Hautes-Alpes, du département 05. Et évidemment, si vous voulez vous faire faire des vêtements sur mesure et vous êtes tanné de ne pas être capable de vous habiller, vous allez chez Valin sur le chemin Sainte-Foy au 3-31-80, chemin Sainte-Foy, Valin, Valin Confection. Retenez ces commanditaires-là, ils travaillent avec moi, ils sont collaborateurs, ils croient dans ce qu'on fait, nous sommes tous ensemble et vous êtes présentement en ce moment au Jim Olympe, au 3055 Boulevard Amel, local 114. La seule vraie place, je vous fais mon call-out, je commence l'année, il me reste 30 places. Après, c'est fini, j'en inscris plus. Je vous le dis, là, je suis rendu là, j'ai fait mon bilan là, pendant le temps des fêtes avec ma femme, on a comptabilisé tout le monde, etc. Là. On est rendu là. Je voulais 120, 125 personnes, il m'en manque 30, j'arrête. Donc, les 30 prochains, je vous attends. Dépêchez-vous, vous avez à peu près 3 mois. Après ça, on arrête, c'est fini. All right? Qui seront les 30 chanceux? Vous êtes écœurés d'être chez la pièce qui roule fitness, pas drôle, là? Ou bien la boule, machin, là? Vous êtes tannés d'être là? Ou bien au méga-cirque, là? Vous êtes plus capables, là? Bon, bien, venez me voir chez nous. Vous allez avoir du service, vous allez avoir de l'ambiance, vous allez avoir de la musique. Vous allez avoir de la plainte, vous allez avoir de la shape, vous allez tout avoir. Bon, à peu près. À un moment donné, il ne peut pas tout avoir si tu ne fais rien non plus. Là. Bon, les gars, du moins. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on sera toujours rejoignable au téléphone directement au 418-204-8246. On recommence le 418-204-8246. L'as-tu bien dit? Ça va? Parfait, yes. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre mental ne vous permet pas de vous dépasser et que votre dépassement est aussi rentable que la SQDC. Oh boy! Yes! Pour ceux qui ne connaissent pas ça, la SQDC, c'est la société du pot qui a ouvert chez nous, là, qui a ouvert avec des entrepôts vides, qui n'ont rien à vendre. C'est gouvernemental. Fait que c'est un flop total. Ils ont ouvert une shop de potes, puis ils vendent pas de potes, il y en a pas. C'est honteux, hein? Sérieux, c'est pas drôle, sérieux, c'est malade, là.
C'est comme, c'est qui, là? C'est Barrette là, qui voudrait se présenter à chefferie. Là. C'est une vraie joke, ça. Voyons, ça n'a aucun Christy de bon sens, ça. Puis c'est lequel qu'il y avait d'autre aussi, là, l'ancien dragon Taillefer, celui-là, là, qui a... Hey, c'est une farce, ça. Ouais, jamais dans 100 ans. Hey, est-tu parti se cacher, lui? Hein? Est-ce qu'il est parti se cacher, lui? Hein? Il fait bien, moi, si j'étais lui, je serais allé me cacher assez solide. All right, OK. Donc, on aura un volet activité physique aujourd'hui. Je vais vous montrer un mouvement de biceps de cuisse qui est particulier. Un mouvement qui est sûrement connu de votre part, qu'on appelle le holding ou le climbing, ou le holding and climbing leg curl, ou le kneeling on the ground le leg curl. Nous autres, on le fait sur un banc avec un wood stick. C'est encore plus prenant. Je vous montrerai comment est-ce qu'on va faire. Vous allez voir, très intéressant. OK, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que le sujet pour aujourd'hui, c'est long un peu à dire, je m'explique. Se servir de l'entraînement comme canalisateur dans vos relations personnelles, professionnelles, la dureté du mental et la capacité à gérer positivité et dans l'ensemble de votre vie. OK? Alors, la capsule d'aujourd'hui est une capsule qui est excessivement introspective. Elle se veut ça. Et avant de commencer, je vais vous parler d'un jeune homme qui m'a écrit tout simplement qu'il a fait une compétition men physique à Tahiti. À Tahiti. Moi, j'ai des clients jusque-là, là. OK, j'ai pogné 2 minutes quand le gars m'a écrit, puis sérieux, beau garçon, là. T'sais, il a fait un super job, là. Alors, salut à toi, Marc-Antoine Grondin, dit le show du pro, et salutations à toute l'équipe du show. Alors, monsieur le caméraman, on a Annette avec nous autres. Salut, Annette, merci pour la job, c'est super cool. Monsieur le Sandman, merci, pas trop bas la moumoute, merci, merci. Monsieur le régisseur, parfait, yes, oui. Ben écoutez, vous êtes pas mal break-even avec l'année passée. Finalement, ouais, c'est ça. T'sais. Non, mais restez dans la rampe, hein. Ça vous va très bien. Ligné, c'est parfait. Hein? J'ai l'impression, finalement, que vous ressemblez un peu aux boules de Noël que j'ai mis dans mon sapin. C'est super. Parfait. Yes. Ben oui, on va partir l'année ensemble. Renouvellement de contrat. Je suis pas au courant. Là. J'embarque pas là-dedans. Écoutez, là, ça, c'est vos histoires de barbichette. Là. Moi, je suis pas là-dedans. Bon, OK. Vous jaserez de ça plus tard, mais du moins, je suis content de vous voir. Bon, vous faites votre job. Là, pis... Oui. Oui, merci. Oui, bonne année à vous aussi. Vous aussi, vous êtes bien aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Donc, du moins, le jeune homme écrit comme ça. Il me dit « Je suis très fier. J'ai une grande joie de te l'annoncer. J'ai eu la chance de participer à une compétition locale chez moi à Tahiti, qui est le Tahiti Body Contest. J'ai terminé en 3e place dans les men physiques, 1m80. » Et sérieux, belle définition, beau physique, etc. Il s'appelle, c'est spécial un petit peu comme nom, là, c'est Teoarito. OK, c'est... non, mais tu sais, c'est le nom, eux autres, T-E-R-O-O-A-R-I-I, nom de famille T-A-U. Alors, c'est Teoarito. Teoarito. Parfait, yes, c'est M. To, et voilà, et M. To avec le livre, M. To, yes. Alors, tout simplement, ce qu'on nous dit ici, j'ai voulu partager ça avec toi, car je suis assidûment les capsules, les vidéos. Christy, le gars est à Tahiti, il suit le show du pro. Show du pro! On est partout sur la terre, yes sir. Yes, OK. Alors, j'achète quelques programmes, training, et j'écris des mails à certaines occasions. Je me base vraiment sur toi, que j'admire beaucoup. Mais mon Dieu, merci beaucoup. Je trouve ça bien aimable. Écoute, je le fais pas pour être adulé, mais si jamais ça te donne un bon coup de main et si ça change quelque chose dans ta vie, je peux te jurer que la capsule d'aujourd'hui va le faire. OK? Alors, et malgré le fait que j'ai jamais utilisé d'anabolisant, bien, c'est big time pour toi parce que tu as un super beau physique puis c'est très bon ce que tu fais. Et pour l'instant, c'est une grande fierté pour moi et je te l'accorde effectivement, tu as très bien travaillé. Yes. Salut Jean-David. Yes, sir. Yes. Alors Jean-David, alors toujours aussi musclé. Yes, sir. Alors, je suis très fier de moi et quand je me suis entraîné, c'est pas pire, le gueule-gueule m'écrit de Tahiti, je me suis vraiment entraîné comme un sale pour y arriver. OK, c'est bon, il y a vraiment un langage qu'on reconnaît ici, là. C'est bon, on aime ça le gros, solide, solide. All right, OK. Donc, je vous dirai ce qu'on va faire, OK, pour aujourd'hui. On va aller faire le volet activité physique, on va aller faire l'exercice et je reviens après la pause. All right! Et bonjour tout le monde et re-bienvenue au show du pro. Le volet activité physique cette semaine va être très simple. C'est un exercice de biceps fémoral que vous allez faire avec un exercice qu'on appelle un exercice de body weight. Vous n'avez pas de charge avec vous, tout simplement. C'est vous-même qui faites la contraction. On a holding and climbing, parce que ce qui est très important, c'est que quand je pars transversalement sur mon banc, mes genoux sont toujours légèrement à l'extérieur, mes jambes sont rapprochées. Rétroversion au niveau du bassin, tourne les hanches vers en avant, qui est très important pour être capable d'aller contracter au niveau du biceps fémoral. Le seul défaut de l'exercice, ça vous prend toujours un partenaire pour être capable de faire le ballon en arrière, parce que sinon, c'est sûr que c'est la chute et c'est pas très bon. Donc, je vous dirai à partir de là, je vais travailler avec mon très assidu partenaire, M. Dave Jean lui-même, de Fit Zone Eryx. M. Jean, auriez-vous l'habilité de vous asseoir en arrière? Parfait, yes. Yes, et voilà, la magie de la télé. On a fait apparaître quelqu'un en arrière comme ça directement. Donc, l'idée comme telle, le wood stick est au sol, on le prend avec deux mains pour se tenir comme il faut, on garde le corps parfaitement droit. Sors la poitrine, recule les omoplates, tourne les hanches, garde le biceps de cuisse parfaitement contracté, le fessier. Vous descendez excessivement lentement.
et lentement. Et lentement. C'est le biceps de cuisse qui vous retient. Quand vous êtes assez bas, vous remontez et vous poussez avec vos talons vers le haut pour contracter le biceps fémoral et revenir parfaitement droit. Je vous le fais légèrement plus vite, tranquillement. On y va tranquillement. Excellent, parfait. Monsieur Jean, vous pouvez me donner un break. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cet exercice-là, c'est « doorway exercise ». Vous allez travailler au niveau du biceps fémoral, mais vous allez surtout travailler au niveau des muscles internes, stabilisateurs au niveau des hanches. Vous travaillez au niveau des omoplates, la colonne, les érecteurs de dos. Vous travaillez au niveau du lat, le serratum, l'abdomen, le core. C'est excessivement complet. Faites pas des séries de 40, c'est pas une bonne idée. OK, séries relativement très courtes, exercices intermédiaires. C'est pas un exercice pour aller faire de la masse maigre, mais ça peut être un très bon exercice de finition. Alors sur ce, bon entraînement et de retour au show du pro! Alors de retour au show du pro avec le sujet de la journée directement. Le sujet de la journée, se servir de l'entraînement comme canaliseur dans vos relations personnelles et professionnelles. Et comment exercer la dureté du mental à allier les capacités que vous avez à gérer la positivité dans votre vie et dans l'ensemble de tout ce que vous êtes. Le titre est long un peu comme ça, mais vous allez comprendre, j'ai mis un amalgame de choses parce que ce que je veux faire avec vous pour partir l'année, on va faire ça tout le monde ensemble, alors vous et moi, dans le privé, OK? Alors à ce moment-là, c'est... Alors moi, je suis ici, vous, vous êtes 10 000 à regarder, c'est bon, c'est correct, on peut se le dire comme ça, on est juste entre nous autres, hein? C'est bon. C'est... OK, qu'est-ce que je veux dire quand je vous dis ça? Alors, aujourd'hui, c'est un appel à la motivation. Là, c'est vraiment le coach de terrain qui vous parle et l'athlète, OK? Se servir de l'entraînement comme canaliseur dans vos relations personnelles et professionnelles. Le plus difficile dans la vie, c'est de faire face à ses obligations. Moi, je suis entrepreneur. Fait que je peux vous dire que j'ai toujours un paquet de crises de problèmes à régler, que ce soit des problèmes de gestion humaine, gestion mobilière, gestion d'argent monétaire, ajustement de matériel électronique, informatique, mise à jour, etc. Bon, OK. Suite à ça, ben, vous avez vos obligations envers vos amis. Vous devez les respecter, vous devez les entretenir, vous devez vous en occuper. Vous avez la même dynamique avec vos conjoints. Vous devez les écouter, les apprécier, les respecter. C'est pas mal le minimum, comprenez-vous, OK? Être une bonne personne, ça se développe et c'est pas facile. Tu sais, je vous parle pas d'une guenille, là. Tu sais, comment est-ce qu'il s'appelle l'autre, là, qui a éviscéré ses enfants, là? C'est qui, déjà, là? Comment est-ce qu'il s'appelle déjà, là? Turcotte. Bon, je parle pas d'une guenille comme Guy Turcotte, là. Pfff, ça, on n'en veut pas, là, ça, là. Tu mets 5 gallons de gaz là-dessus, t'allumes, c'est fini, c'est réglé, là. Tu sais, on perd même pas notre temps. Je sais même pas pourquoi ce gars-là vit encore, là, tu sais. Lui, il a pris ses enfants, il a fait « Hey! » c'est un câble. Bon, ben, je vous parle pas de ça. Lui, il a pas d'obligation dans la vie. Lui, il a pas de cerveau. C'est pas pareil, bon. Je vous parle pas de son génie, elle a des obligations, il faut qu'elle aille se montrer mon chef de gars, mais c'est à la TV, c'est pas pareil. Bon, OK. Mais du moins, quand vous êtes quelqu'un qui a de l'allure, vous avez des obligations et être en symbiose avec vos actes et vos propos. You walk the talk, you know what I mean? OK? La majeure partie des gens, souvent, ont un discours et les babines vont pas avec les bottines. OK, right? Si je peux être un petit peu plus québécois, tu sais. c'est malheureusement très observable. Que les gens, souvent, vous disent « Ah, moi, je ferais ça, moi, je changerais ça, moi, je... » Puis ils ne te voient jamais rien faire, finalement. Ils ne s'accomplissent pas, ils ne changent rien, ils ne sont pas engagés. C'est difficile de faire ça, mais c'est quelque chose que vous devriez faire. OK? Ce serait très important d'être capable. Ce n'est pas de prendre une résolution. Ça, c'est assez innocent. Hey, les résolutions de 2019, je vais t'en donner une résolution. Ça ne sera de ne pas prendre de résolution, c'est correct. C'est assez niaiseux. Moi, j'ai des clients qui viennent ici pour me dire « Moi, je suis abonné dans tel gym, puis là, je m'en vais parce que là, ça n'a pas d'allure. On est rendu là, trois fois ce qu'on était. Janvier, février, mars, après ça, ils vont s'en aller. Oublie ça, ça, c'est les têteux là, qui viennent de se pointer au début de l'année là, pour essayer de perdre là, un peu ce qu'ils ont mangé dans le temps des fêtes ou se convaincre qu'ils vont essayer de changer de quoi dans la vie. Ils n'ont jamais rien changé dans leur vie puis ils ne changeront jamais rien. » Comprenez bien mon propos. Je ne suis pas dans le jugement en ce moment. « Oh, show du pro! » On ne fait que dire les vraies choses, OK? Puis... Être corrélatif de ses actes et de ses propos, c'est difficile. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec le service que j'ai au restaurant, je le dis au gars. C'était bon, non, pas aimé ça. Non. Je paye, je fais-tu le droit? Oui, OK, merci. Excusez-moi. Oh, monsieur le maire, yes, sir, comment ça va? T'es en grande forme? Yes, ça va très, très bien, très, très bien. Yes, OK. Donc, du moins, je vous dirais, être capable de percevoir ce que veut dire le pouvoir de l'engagement total.
OK? Autant dans votre vie qu'avec vos amis qu'envers vous-même. Tu sais, nous autres, on parle beaucoup d'entraînement puis de bodybuilding. C'est pas juste... Ça n'a pas de lien avec le fait d'aller faire un stage. C'est pas ça l'idée, OK? Tu sais, souvent, c'est ce que j'explique aux gens. Le fait d'être en bonne santé, de vous développer, de vous entretenir, de faire attention à vous et de rester engagé et de faire exactement ce que vous avez à faire et de ne pas abandonner, c'est beaucoup. OK? Bon, il y a de la mortalité, il y a de la maladie, il y a des empêchements, des changements de job, des réorientations de carrière, l'arrivée d'un enfant. Bon, name it, là. Bon, il y a des bouts d'envie à un moment donné où je pense que vous n'avez plus le choix d'essayer de faire attention à vous et de vous engager envers vous-même. Alors, moi, j'exerce ça depuis plusieurs années, le pouvoir de l'engagement total. Moi, je suis toujours le premier à me mettre en avant et à manger coup de poing d'en face, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je suis comme ça, c'est dans ma vie, c'est moi qui prends les rênes, c'est fait comme ça. C'est tout. Tu sais, quand je m'en vais à la banque puis je me fais niaiser par la fille qui est là, alors que moi, ça fait 20 ans que je suis en affaires puis elle, ça fait 3 mois qu'elle est là, tu me diras pas comment faire de l'argent, c'est clair. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens, des fois, tu sais, dans votre vie, devenez ce que vous voulez être. OK? Et de toute manière, vous ne faites jamais rien pour rien. Moi, j'ai un paquet de monde qui me disent, je me suis fait entraîner pendant tant d'années, j'ai fait ça pour rien, puis dans le vide, tu fais jamais rien pour rien. Tu fais jamais rien pour rien. Tu as appris quelque chose. C'est ça la différence. Alors, j'aurais peut-être pu faire mieux. Oui, tout le monde peut faire mieux. Tout le monde. Ça veut-tu dire que tu as mal fait? Non. Moi, pendant bien des années, j'ai essayé bien des affaires, ça ne veut pas dire que j'ai bien fait. OK, right? On fait comme on est. Ouais. Mon père est psychologue, il pourrait vous dire ça. C'est surprenant de voir un gars de 75 ans courir après des filles de 14 ans et être un esti tout croche de pédo, là. Ouais. Il était comme ça à 50, il était comme ça à 40. Il avait 37 ans, il courait après une petite fille de 14-15 ans. T'es un esti de cave. T'es un pas bon. T'es une bite molle. T'es un calice. Okay, excusez, je dirais qu'un peu, mais c'est ça. Tu sais, c'est un bas de gamme. Hein? C'est un slurp, là. Tu sais, ce qui peint ici, là, t'essuies, tu jettes. Okay, c'est un slurp, c'est tout. That's it. OK? Et ça, moi, je suis capable de vous dire une chose. Regardez comment les gens s'entraînent et vous saurez qui ils sont. Moi, je peux vous dire ça. Moi, ça fait 20 ans que je suis entraîneur professionnel. Enfin, pas 20 ans que je suis professionnel, ça fait 20 ans que je suis entraîneur. Je vous dirais avec beaucoup d'humilité que je peux peut-être considérer que je suis professionnel peut-être plus depuis les 7 à 10 dernières années. OK? Peut-être plus. OK? C'est pas trop long à saisir. Ceux qui vont aller plus loin, ceux qui vont faire des belles jobs. Oh, ben, vous êtes de la recherchiste, bonjour, comment ça va? Yes, alors c'est Annette qui arrive sur le plateau. Bonjour. Attends, hein? Oui, ça va très, très bien, Annette, ça va très bien. Merci pour la job. J'ai réussi à imprimer en couleur parce que ma cartouche m'a lâché carrément. Donc, je me suis débrouillé. Merci beaucoup. Alors, monsieur le régisseur, on n'a pas dit que vous alliez nous lâcher. Je veux juste que vous me lâchiez. La pognez-vous, merci. Bon, OK. Tu sais, souvent, les gens, vous êtes capable de les percevoir de la manière qu'ils sont. Quand vous les regardez s'entraîner, est-ce qu'ils sont déterminés? Est-ce qu'ils veulent obtenir? Est-ce qu'ils veulent aller chercher? Est-ce qu'ils veulent changer? Est-ce qu'ils veulent comprendre? Il y a des gens, c'est pas dur à voir, là. Moindrement que ça commence à être dur, là. Tu montes un peu les poids, c'est abusé. Non. Tu es capable d'aller chercher plus, on peut faire mieux. Ah, tu vas rajouter des poids si je te dis que c'était facile. Non. Je vais mettre des poids si je sais que tu peux faire plus. Alors, ces gens-là, dans la vie de tous les jours, ils sont comment? OK? Vous vous définissez par vos actes. Si vous voulez vraiment changer quelque chose, interrogez-vous sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Commencez là. OK? Vous développez des habiletés comme athlète, alors on doit les voir apparaître dans votre vie. Les gens sur lesquels on veut se modéliser sont des gens différents. OK? Je ne vous parle pas. Exemple. Mike Tyson, qui était un des plus grands boxeurs de la planète Terre. Mike Tyson, quand tu le sortais de la boxe, était un tout croche. OK? T'en as un autre comme ça aussi. Comment il s'appelle déjà? Hey, Claudius, tu sais-tu c'est qui déjà ce gars-là? Il s'est battu, je pense, contre Lucian Bouté à la boxe, un black. Un gars qui a fait de la prison, là. Un gars, là, je pense que c'est un gars qui vient de Philadelphie. C'est pas Rocky, là. C'est pas lui, là. Bon. Son nom m'échappe vite comme ça. Ben lui, c'est un gars de même. Lui, c'est un gars que quand il se prépare là, pour de la boxe, là, il est sa coche, c'est un athlète. Ouais, lui, il se prépare pas, là, il est sous l'eau, poudré, tout croche, voix de fesse, ramasse en prison. Il n'y a rien à faire avec ça.
OK? Tu sais, la personne sur laquelle vous vous modélisez n'est pas une personne de second ordre. Vous voulez... OK, moi, c'est Daniel Bérubé qui m'a appris ça. Quand tu veux voler comme un aigle, tu ne tiens pas que des corbeaux. When you want to fly like an eagle, you don't hang around with crows. OK? Right? OK, OK. Vous êtes un modèle pour tous ceux qui vous regardent. Et non pas un tout croche, un bas de gamme, un Instagram picture fucker. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi, que la fille, elle se montre les fesses sur Instagram puis qu'elle prenne des photos avec son gilet puis ses abdos de bedaine. Hey, « Check-moi, j'ai 20 ans, j'ai des abdos! » C'est pas plus que l'épais, là, tu sais, qui nous montre encore son bras, là, où « Aujourd'hui, je mange mon repas 3! » Puis là, il l'a pesé puis il te le montre. Hey, sérieux, on s'en calisse, là. Sérieux, là. Tu fais des photos avec ça. Il y a du monde que ça intéresse. Hey, commencez à vous demander quel genre de vie que vous avez pour avoir de l'intérêt pour la vie des autres. Hey, moi, je suis la préparation de championnat de Kay Green. Ouais. OK, OK, des gars qui font des pamplemousses sur Internet qui se mettent 200 000 dans le cul par année. OK, toi, ça t'intéresse de savoir ce qu'ils font. Ils font la même affaire que moi, gros. Ils mangent du thon, ils mangent du riz, ils mangent du poulet, sauf que lui, ben, il se dose pour mourir. C'est tout. Ça t'intéresse? T'es sérieux? Tu devrais te demander qu'est-ce qui est intéressant pour toi. Pourquoi vous vous intéressez tellement que ça à la vie des autres alors qu'il y a tellement à faire dans votre vie? OK? Vous êtes le miroir de l'incapacité des autres. Ça, c'est lourd à porter. Ah ouais, tu manges encore la même affaire? Ouais, ouais. Ah, tu t'entraînes encore? Ouais, toi, c'est vrai que tu t'entraînes plus. Hein. Moi, entre Noël, jour de l'an, là, avec ma femme, j'étais allé souper chez un de mes chums. Là. Moi, j'avais jamais vu ça. Là. Moi, j'ai vu une fille violer un bris. Moi, j'ai vu ça. C'est pas une joke, là. Non, non. OK? OK? Non. Sérieux, là. Tu sais, bon, on vous apporte, mettons, des raisins sur une table avec du fromage, du pain, bon, un petit verre de vin. Bon, tu vas te prendre un petit morceau de pain. Il y a des petits couteaux, là. Des petits. Il n'y a pas des louches, esti, là, OK? Il n'y a pas des pelles, là, OK? Des petits couteaux beurrés, là. Fait que là, nous autres, on est tous là, on se prend un petit morceau de pain avec un petit coin de brie chaud qu'on met dessus. Bon, tu sais, on tête ça un petit peu, on mange ça avec un petit verre de vin. Bon, en attendant, tu peux... Hey, moi, vous dire une affaire, là, j'avais jamais vu ça de ma vie, là. Quand le brie est arrivé sur la table, là, j'ai pas checké en dessous de la jupe, là, mais je suis sûr que ça coulait, là. Je suis sûr. Elle est arrivée à côté du fromage, là. Elle te prend un morceau de pain, sérieux, là. Elle pognait une motte, là. Poc! Quand t'as mis ça là-dessus, tu voyais plus le pain, là. Elle s'est dépêchée là, de l'engloutir, là, parce que ça coulait. Asti, elle en a pris un. Elle en a pris deux. Hey, je te dis, je le regardais aller, là, je capotais. Elle mangeait trois fois comme moi, là. Elle me disait, bon, je capotais. J'ai jamais vu une fille s'enfiler un bris de main. Jamais vu ça. Moi, d'après moi, là, elle ne s'enfile pas son chum de main. Moi, non, j'ai des doutes. Sérieux, là, j'étais consterné. OK? Tu sais, je vous dirais, il y a une chose qui est sûre, et ça, vous devez le savoir. Ces gens-là ont le culot de te dire que 4 à 5 jours par semaine sont sa coche, là. Mais qu'à la fin de semaine, ils se donnent du jeu. Ils se donnent du jeu. Hey, le temps qu'elle enfile son bris, son chum, il a pris... 4 drinks de 3 onces d'alcool. Ils ont tapé 2 bouteilles de vin en suspens, si, puis 90% de son souper, il a mangé juste des patates, du fromage, il a mangé 3 morceaux de viande. Hey, après ça, après le souper, il te parle, il est en sueur de même, puis... Oh oui, moi, je m'entraîne, ça fait 10 ans, il y a la bedaine de même, t'es là. OK. OK, puis l'autre, elle s'enfile des bris, OK, d'accord. OK. Tu sais, je vous dirais une chose. Les gens autour de vous, souvent... Ça, c'est ma femme qui m'a appris ça. Les femmes, les gens autour de vous, souvent, observent beaucoup ce que vous êtes. Et vous devenez, quand vous êtes un modèle pour les gens, ou du moins les gens vous regardent faire et ils disent, ben moi, j'aimerais bien être capable d'arriver à ça. Ce que vous vous rendez compte souvent, c'est que c'est contraignant pour les autres. Alors, à ce moment-là, vous devez devenir la personne qui encourage les autres. Vous devez prendre le lead de ça. Et si vous faites ça, c'est que vous devenez le leader de votre vie. Vous devenez la personne qui s'engage envers ce qu'il fait. Vous respectez l'ensemble de ce que vous faites. Bon, vous en donnez un de même. Moi, j'entraîne un gars en Europe, là, OK? Il s'appelle Nicolas Lassala. Je vais dire son nom parce qu'il a une super shape, ce gars-là. Là. Il est en condition à l'année, puis il s'entraîne comme un enragé. Puis tous les gyms où il est allé en France,
il se fait quasiment mettre dehors parce qu'ils disent tout que c'est un malade, puis c'est un martien, puis il est bruyant, puis il est capoté, puis ouais. Mais ce gars-là a un métabolisme incroyable. Ce gars-là, il a fait un championnat de bodybuilding avant les fêtes. Ben vous, combien de temps ça y a pris pour se préparer? Une semaine. Sérieux. Il mange 4200 calories, il a coupé 1000 calories par jour pendant 16 jours, il a même pas séché, il est arrivé en avant. Il était à peu près 10-12, il est rentré 3e, puis tant qu'à moi, c'était le meilleur quasiment de la gang. Le gars qui est rentré premier avait une très belle ligne, mais Nicolas, il avait vraiment un gros volume métrique. Puis le gars qui a passé 2 semaines, là, il avait des notes ici, puis il jouait du coude à côté, puis il était même pas là. Imaginez-vous donc comment ce gars-là se fait questionner. « Hey, tu manges quoi? Tu fais quoi? » Ok. L'entraînement nous apprend à être directif, concentré, reculer méthodiquement de ce qui nous dérange, froid et aseptisé de la peur ou des remords de ce qu'on a failli ou de ce qu'on ne peut pas faire. Enlever le doute, même une fois installé en dedans de nous. Il y a toujours cette petite étincelle-là qui nous ramène à un niveau de réalité. Moi, vous savez une chose, 2018, pour moi, ça a été une année très difficile. Très payante, très constructive, très lourde à gérer. Très. Le seul moment où j'étais capable de me retrouver avec moi-même, c'est quand j'étais à l'intérieur de la salle. C'est le seul moment où, comme athlète, je suis capable de me retrouver avec moi-même. Et je l'apprécie vraiment. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui compte. Rien. Vous devez être capable de vous engager envers vous-même, de prendre des décisions, de les tenir et d'arrêter de pleurer que vous n'êtes pas capable d'arriver à ce que vous voulez. Cette année, 2019, est une année dans laquelle on récolte et on gagne. Cette année, 2019, c'est l'année des gagnants. Est-ce que ce sera vous? La grande question. Moi, je pense que tous, à l'écoute ici en ce moment, vous êtes capable de devenir bien plus que ce que vous êtes. C'est le coach qui vous parle, c'est à vous que je parle, là. OK? Cette année, arrêtez d'avoir des défaites. Allez à la salle. Thomas Gibault, va t'entraîner. C'est clair? Tous ceux qui font affaire avec moi, allez vous entraîner, allez faire votre travail. Vous savez que je suis en arrière de vous autres puis je suis là pour vous aider. Vous le savez, ça. Vous avez juste à le demander. OK? La dureté du mental. Votre capacité à vouloir réussir commence par la volonté de changer les choses. Moi, là, je connais bien des gens qui se complaisent dans ce qu'ils sont. Ils sont donc malheureux de ne pas arriver à ce qu'ils veulent. Ça ne fonctionne pas, c'est pas à mon goût, je ne suis pas capable. Ça embarque ses pelules, ça rencontre des psychologues, des psychiatres. Ça vampirise la planète autour d'eux autres pour essayer d'aller chercher de l'approbation ou du support. Ou... ah! OK, non. Quand vous avez des problèmes, vous avez 2 choix. C'est pas compliqué. M'a vous donner la meilleure alternative. Vous voulez arrêter de descendre? Commencez donc par arrêter de creuser par en bas. OK? C'est la meilleure méthode. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu vois que tout ce que tu as essayé ne fonctionne pas, va voir du monde qui connaît ça, va rencontrer, va consulter. Et si au bout de tout ça, ça ne fonctionne pas, regarde-toi, c'est toi le problème. OK? Vous devez vous engager quand vous voulez changer. Si vous ne voulez pas, je vais prendre la peine. Claude, je vais vous montrer quelque chose. Mon caméraman va faire ça pour vous, là. Ça, c'est une petite phrase que j'ai accrochée dans le gym, là, à la salle de bain des hommes, là. OK? Ça va être juste pour vous démontrer un peu le genre de mentalité qu'on a ici chez nous. OK? Est-ce qu'on est capable de bien cadrer ici, là, monsieur le caméraman? Marchez avec moi, devenez des guerriers. Marchez derrière moi, perdez tout espoir. Marchez en avant de moi, crevez à essayer. OK? Quand vous pensez comme ça, d'après vous, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il ne peut pas arriver juste le malheur, la tristesse, la peine, le désarroi ou la non-réussite. Ça ne se peut pas. Vous devez vous engager. Ah, mais tu sais, j'ai des problématiques, j'ai des enfants malades, j'ai eu un décès. Oui. On a tous des problèmes.
La meilleure manière de s'en sortir, là, c'est d'être capable de passer par-dessus. Puis Dieu seul sait que je peux vous gérer une affaire qu'en 2018, j'en ai passé des solides. OK, right? OK. Résister à l'insoutenable. Ouais, c'est tough, ça. Avoir peur de faillir, de penser ne pas y arriver. Douter de soi. Faire évoluer les choses vers l'avant, quoi qu'il arrive. Viser le dépassement et non pas la mise en vue. Être satisfait de soi. Se féliciter. Se regarder dans le miroir en souriant. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas regardé dans le miroir en riant? Faites le test pour le fun. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas couché en souriant en disant « Wow, j'ai hâte à demain, ça va être une bonne journée. » Ça fait longtemps, hein? Ce que je vous disais tantôt, quand je vous parlais de ça, j'ai passé vite, mais je vais vous le redire, visez le dépassement et non pas la mise en vue. OK? Tu sais, aujourd'hui, on est à l'ère de « check-moi, puis je me montre, puis photo, puis ci, puis ça ». C'est drôle, hein? Moi, je vous dirais que je pense que les meilleurs, vous les voyez pas sur tous les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas tous la même conviction. Vous pensez que les meilleurs combattants au monde, ils font des vidéos. Vous pensez que les meilleurs powerlifters au monde, ils font des vidéos. Vous pensez que les meilleurs bodybuilders perdent le temps avec ça? Non. Non, ils bâtissent à tous les jours. Ils n'ont pas de temps à perdre, à se montrer avec les autres. Ils ne fonctionnent pas comme ça. OK? Tu sais, comprenez bien mon propos. Vous êtes une personne unique et authentique. Le reste de la planète s'en fout. C'est juste vous qui vous mettez de la pression avec les autres. C'est tout, là. La pression des réseaux sociaux. Monsieur Martin, bien le bonjour. Bien le bonjour. Yes, yes. C'est un gars qui arrive directement de Rivière-Bleue pour venir nous voir. On va vous dire une affaire. 2h30 de route, le gars, il voulait en s'il vous plaît. OK? Yes. Se féliciter, se regarder en souriant. Ça, c'est pas une joke, hein. Moi, j'ai travaillé avec une psychologue pendant un an et demi de temps. Elle m'avait posé cette question-là. C'est quand la dernière fois que tu t'es regardé dans le miroir en souriant? Ça doit faire... Ça, tu t'en rappelles pas, hein? Dis-moi, ben, questionne-toi. Ouais, OK, OK, ouais, OK. Ouais, on oublie ça. On oublie ça parce que tout ce qui est autour est trop important. Ce qui se passe ici dans votre tête ne doit pas être affaibli, craquelé ou miné par le doute, le questionnement, la peur, le remords ou l'absence de vouloir, comprenez? Si vous faites ça, vous ne serez jamais en contrôle de ce que vous faites et vous ne réussirez jamais. Il faut absolument que vous soyez capable de vous donner des lignes de conduite. Je ne suis pas en train de vous dire de vous encadrer dans un carcan dans lequel vous ne sortez pas, et tout le temps la même affaire, faire la même affaire. Christy, tu écoutes la TV à tous les soirs, tu te couches à tous les soirs, tu prends ton char à tous les jours, tu ne brailles pas pour ça. Bon, pourquoi quand on te demande de faire un effort, c'est si dur que ça? C'est-tu dur de devenir quelqu'un? Tu préfères être larvaire chez vous, être pogné noir? T'es sérieux? T'as le droit, là. T'as le droit. J'ai pas de problème avec ça. Venez pas me voir. OK? J'ai de la misère avec ça. Voilà. Se voir réussir. C'est drôle, hein? Moi, quand je commence une préparation de championnat, souvent, je vais faire ça. Je me vois. Je me vois en arrière. Je me vois avec ma femme en arrière. Je me vois avec ma femme sur le bord du line-up qui tient ma main. Je me vois avec ma femme qui me dit « OK, on y va, je pars, je m'en vais faire ma job. » Je me vois poser, je me vois faire ma routine. Je vois la salle en avant de moi, je vois le panel des juges, je vois les concurrents. Je projette dans l'avenir ce que je m'en vais faire. OK? Projeter dans l'avenir les événements que l'on veut voir se concrétiser. Tu vas me dire « c'est bien facile ». Non, non, mais si votre mindset est négatif, vous n'y arriverez jamais. C'est pas vrai. Tu peux pas réussir quand tu es tout le temps en train de dire « Ah, j'y arriverai pas! » Non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est impossible. Impossible. OK? Faire de la visualisation. Ça, je vous en parlais là. OK? Se donner des phrases clés à répéter. Oui, je vais vous donner un exemple. Moi, cette année, ma phrase clé à moi, c'est que je récolte. Et je me permets le droit d'accepter tout ce qui va arriver cette année parce que ce n'est que du bon pour moi, parce que ça fait 20 ans que je m'arrache la gueule comme un sale à travailler. Et oh, cette année, et l'année prochaine, et l'année d'après, je récolte et je deviens et je m'accomplis. C'est clair, c'est printé ici. Comment? Je ne le sais pas. Où? Je ne le sais pas. Quand? Je ne le sais pas. Je vais le faire. Point. That's it. Si votre mindset n'est pas là, vous ne pouvez pas arriver à ça. C'est impossible. Et entre autres, je pense à une des amies à ma femme qui a des moments plutôt un peu difficiles dans sa vie, mais qui n'est pas prête à prendre sa vie en main.
On peut pas rien faire pour ça. J'ai même des gens, moi, que j'entraîne, sont pas capables de suivre un plan alimentaire. Ils sont pas capables. Ouais, mais là, il y avait Noël, mais là, il y avait la fête à Jean-Guy, mais là, il y avait Halloween, mais là, il y avait une sortie, mais là, il y a un tailleur, là, tu sais, bon, on fait quoi? Mais il y a des YouTube aussi, ben c'est ça que je disais, on a un problème, bon. T'sais, à un moment donné, il faut que tu sois capable de dire non. Non. Tu sais, comme la violeuse de Brie, il faut qu'elle soit capable de dire non. Hein, c'est important. C'est sûr, j'ai jamais vu ça, mais... Attends, je capotais. J'ai dit, j'ai jamais vu un Brie se faire violer de même. OK. Donc, se répéter des phrases pour se conditionner à aller chercher le ce pourquoi on s'investit. Apprendre de ses erreurs. T'essayes de pouvoir recommencer, hein, s'il vous plaît. Bon, des fois, on comprend moins, des fois, c'est dur à comprendre. Des fois, il y a des choses qu'on appelle des... comment qu'on appelle ça? On pourrait dire des... c'est pas des impromptus. Un petit peu, Claudius, je vais te donner la feuille, hein, comme ça. Yes. Merci, Claudius, t'es bien aimable. Yes. Pas des imbroglio, pas des imprévus. Voyons. C'est bien parce que je le cherche, le mot, en tout cas, du moins. Il arrive dans votre vie, des fois, des événements qui ne sont pas de votre contrôle et vous devez dealer avec. C'est fait comme ça, OK? Oui, ça, ce que je vais vous dire là, c'est très, 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 très important. On n'est pas le meilleur quand on le croit. On est le meilleur quand on le sait. Ah, je crois que non. Non. Moi, je sais ce que je vaux. C'est tout. Moi, pour moi, je suis le meilleur. C'est tout. J'ai-tu besoin d'un trophée pour ça? Faut-tu que je gagne l'Olympia pour ça? Faut-tu que je gagne 1,5 par année? Non. Non. Je sais ce que je vaux. Parce que je le vois d'en face des gars quand j'arrive en arrière. Moi, quand j'embarque sur le line-up, là, ils sont serrés de même dans le shirt. Puis ils savent très bien que ça va rentrer au poste en esti parce que le gars qui est là, il est prêt, il s'est posé, il fait sa job et c'est le comparable agressif. Puis je suis pas là pour perdre mon temps, puis on est là pour compétitionner. Ça se voit, ça se dégage. OK? Il y a toujours une différence entre arpenter le chemin et connaître le chemin. Je connais le chemin. J'y vais pas à l'aveugle. Je sais ce que je suis en train de faire. Et si tu te trompes, je recommencerai. Je vais apprendre de mes erreurs. Vous avez peur de ça? Vous devriez pas. Quand on fait des erreurs, on apprend. Vous ne faites jamais d'erreur. Le jour où ça va lâcher solide. OK? Ça ne prend pas de trophée pour apprendre ça. Avoir une vision à moyen et à long terme de l'ensemble de ce qu'on fait. On est-tu dans la génération du monde popcorn aujourd'hui? Ah, je veux une shape là, là! Ah, je veux une job à soler 10 000 là, là! Ah, je veux une maison là, là! Hey, ça ne marche pas de même, man, si tu fais là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des étapes dans ta vie. Il y en a qui vont dire, ah ben moi, j'aurais aimé ça faire tel job, avoir telle maison. Ben oui, mais c'est parce que la vie, c'est pas t'arrives, t'as ça, t'as pas ça, là. Il y a des gens qui ont des enfants plus tard, il y a des gens qui ont des enfants plus tôt, il y a des gens qui ont des maisons plus tard, plus tôt, il y a des gens qui déménagent, qui vont ailleurs, il y a des gens qui se bâtissent une carrière plus tard, il y en a plus de bonheur, il y en a qui changent trois fois de carrière, il y en a. Votre vie, vous la dessinez. C'est vous qui en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de mode préétabli ou de moule prédéterminé. OK? Il n'y a que des régisseurs obèses. Excusez. OK, voilà, bon. non, mais quoi? Vous revenez des fêtes, là, bon. Vous me faites penser à mon lutin, là, bon. Ouais, parce que j'ai gardé mon petit lutin de Noël. Il est super sympathique, d'ailleurs. Tu me shooter. Bon. Non, vous allez voir, il est vraiment hot, sérieux. Moi, vraiment, moi, je l'aime. Non, mais il est hot avec son pinch. Avouez pareil, hein, moi, je l'aime. À chaque fois que j'arrive dans mon bureau, je touche le nez, je dis « Salut, man! » Il est content. Hein? Voilà. Hein? C'est l'ami à Coco et il vaut beaucoup plus que E.T. l'endroiteur d'enfants. Et voilà, voilà. Alors, chers parents, faites attention si vous voyez une crotte brune avec un point rouge qui se promène. Il va endoiter vos enfants. Soyez prudents. OK. Excusez. Bon. Je sais. OK. Bon. Oh. OK. Faire sa route sans se soucier des autres. C'est rendu compliqué aujourd'hui, ça. Plus vous vous exposez, moins vous entrez dans ce mood-là. C'est direct, ça. Les gens, aujourd'hui, s'exposent à tout le monde. Les photos de pochetons, photos de fesses, photos de cheveux, photos de chats, photos de maison, photos de femmes, photos de voisins. Ça. Vous n'êtes pas capable de la garder pour vous, votre vie? Vous n'êtes pas capable de la gérer? Non, pas capable, non. Tu sais, votre vie, c'est vous. T'sais, dans votre vie, mettons, vous êtes là, là, vous avez, mettons, exemple, je sais pas, vous avez des croyances religieuses, vous avez un travail, vous avez des amis, vous avez une famille, vous avez un conjoint. Mais le point commun de tout ça, c'est vous. C'est vous. Si vous êtes toujours le même vous,
Si vous le changez pas, vous pensez que le reste va changer? Mais non. Mais non. Alors votre chemin, c'est vous autres qui le déterminez. Déterminez son parcours et devenir qui on veut. Devenir qui on veut. Ça vous prend-tu la... tous les artifices possibles et impossibles inutiles pour devenir qui vous voulez? Ma femme, elle me ramène souvent à ça. Elle me dit, t'es bien chanceux d'être tout ce que t'es dans la vie et d'avoir ce que t'as. T'es chanceux. Bon, d'un autre côté, elle va vous dire, on fait sa chance. Tu sais, je travaille depuis 20 ans comme un Christine enragé. À un moment donné, on fait sa chance. Mais c'est vrai que des fois, même ma psychologue m'expliquait ça. Ici et maintenant, quand je suis en train de m'entraîner, comme un matin, là, je m'entraînais avec les gars. Là, de ce temps-ci, là, c'est super cool. On est 4 old-timers. Jean-Pierre, qui a 47, moi j'ai 46, Éric qui a 48, et Stéphane Bernatché, qui a 51, 52, quelque chose comme ça. On est tous des gars issus du même monde, nous autres. On a tous connu les vagues de bodybuilding des années 80-90, OK, l'apparition des Monster Mass, etc., OK, puis on a vu des Québécois monter à l'Olympia. On est vraiment des old school bodybuilders, puis... On avait beaucoup de plaisir ce matin à s'entraîner. Et c'est excessivement gratifiant et très agréable. Pourquoi? On a tous la même mentalité. On n'a pas changé. OK? Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on promet aux gens des résultats sans faire absolument aucun effort. Prends telle pilule, tel produit, gros, tu vas être gros. Ouais, ouais. Ouais, t'es-tu sûr? Ah, tu t'as dit, t'as même pas à manger, tu prends une pilule, pas! OK? Ah. Puis tu vas devenir Arnold Schwarzenegger, je sais pas trop. Hein? C'est pas de même, ça marche. Ça a été essayé, mais c'est pas comme ça que ça marche. Okay? Les médisances des autres sont toujours là pour vous arrêter. Vous n'avez pas plus vrai ces réseaux sociaux. Il y a tellement de monde qui s'expose, il y en a qui se suicident. C'est assez malade. À tant de semaines du concours, à tant de semaines du championnat, à tant d'années. Moi, j'ai du monde qui m'envoie des photos, là, vous ne croiriez même pas à ça. Là. Il m'envoie quasiment des photos aux 2 semaines. Photo. Hey, Chris, je l'ai vu ta chaîne il y a un mois, ça même. C'est correct. Là. Évolue. Arrête de te montrer. Je vais faire le tour de mon club, n'a pas de photos de moi ici. Hein, on est beau. Pourquoi? On va prendre des photos rendues en avant. C'est tout. La priorité, c'est pas de me montrer. C'est de me dépasser. Et ça, c'est important. Et apprenez ça. Devenez quelqu'un. Construisez votre vie. Dépassez. Se dépasser. Les gens font plus ça aujourd'hui. Ils font des petits concours de bobettes pour aller se montrer, mais des petits trophées. Ah, oh, regarde ça, ça revient chez eux avec ses amis. Regarde, si je suis bon, j'ai un trophée. Un trophée de quoi? Vous étiez 3, t'es rentré 2e. Excuse-moi. C'est quoi ça? Hey, excuse-moi, là. Pour le nombre de fois que j'ai pu compétitionner dans ma vie. Même exemple, toi, au football. J'ai joué au football longtemps, moi. Je m'excuse, là. Tu sors du terrain, tu t'es fait torcher 42-12. Hey, les gars dans l'autobus, tout le monde rit. Hey, tu te lèves debout, allez-vous même fermer vos yeux? On pratique à tous les soirs, on est allé se faire torcher le cul, mon homme. Puis on revient assis à l'école, puis on a perdu. Puis tout le monde de l'école sait qu'on a perdu. Hey, ça valait la peine d'en parler, c'est donc le fun. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une problématique avec ça, c'est que les gens vivent par procuration. Vous ne devriez pas faire ça. Créez votre propre entité. Devenez ce que vous êtes. Puis on n'est pas tous parfaits. Hein? Puis moi, le premier, je peux vous le jurer, je suis juste un homme. Là. OK? J'ai bien des défauts. Puis je suis bien sur le rough. OK? Une chance, j'ai ma femme pour me ramener des boîtes parce que je peux vous dire une affaire, je ne suis pas du monde. OK? Par contre, d'un autre côté, j'ai des très bons côtés, moi aussi. Puis on s'améliore avec les années. Puis on vieillit, puis on mature. Puis c'est bon. Si ton fond, il est bon, mais si ton fond, c'est d'être un tout croche, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tu vas le rester, je te jure, là, OK? Focusser dans les objectifs atteignables. Je veux avoir 24 pouces de bras. Tu fais 143 livres, 5 pieds 2. Ça n'arrivera pas. Bon, OK? Tu peux pas être comme Arnold Schwarzenegger, il y en a eu un sur la terre. Bon. Ah, moi, Sadé Kadzovitz, je capote dessus, c'est lui qui m'entraîne, je paye 4 000 par mois, je vais avoir une shape, et... T'es bien cave. Voyons donc, man. Prends-toi un trainer de Québec, là. T'sais, voyons donc. T'sais, je m'excuse, là, mais t'sais, tu penses que parce que tu payes un gars qui se met 200 000 dans les fesses par année que tu vas avoir une shape? T'as rien compris, là. Il te charge la totale pour se loader, lui. Voyons, hein, réveille-toi, c'ti. Ça fait là. T'sais, à un moment donné, je m'excuse, mais ça, c'est... T'sais, vos objectifs doivent être corrélatifs avec ce que vous êtes. T'sais, j'ai déjà des gars qui m'ont dit « Ah, moi, là, moi, je vais être capable de bencher à 600! »
Hey, le gars, il a à peu près 8 de poignet, là. Tu peux pas bencher 800, man. Tu peux pas. Là. Même si tu veux, là. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu sais, on a toutes des limitations. Faut accepter ça. Faut accepter ça. Accepter la vérité et la réalité de ce que nous sommes. OK? Moi, j'ai toujours la même mentalité. Quand c'est le temps de poser, parce qu'on se prépare pour le championnat, puis on avance, puis on va regarder où est-ce qu'on fait, je me place toujours dos au miroir, j'enlève mon chandail, ma camisole, etc. Et la première chose que je me dis, on accepte ce que l'on voit. T'es fait comme ça. Faut que t'acceptes ça. Puis il faut que t'ailles chercher le meilleur de ce que t'es. Puis t'as rien à envier à personne. C'est tough, ça. C'est tough, parce que t'en vois qui ont des plus belles lignes que toi, puis ils ont des morceaux que t'aimerais avoir. Mais d'un autre côté, t'as bien des affaires que les autres n'ont pas, mais toi, t'y vois pas. Comme mon chum avec qui je m'en allais souvent en championnat, Sébastien Rousseau, qui est sergent enquêteur à la Sûreté du Québec au crime contre la personne. T'sais, que lui, en vois-tu des piquages, tu penses? Allez, gars. T'sais, Sébastien, souvent, on allait en championnat, puis je disais, regarde le gars, regarde-y l'épaule, regarde-y le bras. Il me disait tout le temps, même affaire, t'es bien fatiguant. C'est quoi? T'as-tu vu eux autres qui se disent? Non, ben c'est ça le problème, c'est que tu vois rien qu'un côté. Les autres, quand tu te regardes de dos, ils partent à broyer. C'est parce qu'ils ne voient pas son dos à toi, c'est. OK? De dos, le pec, les jambes, tu m'en parles pas. Je dis, non, ben c'est ça. Chris, tu ramasses tout le monde. Ouais. Ben c'est ça. Continue à travailler, tu vas t'améliorer. Mais c'est ça. Il avait raison. T'sais, la meilleure source de motivation, c'est l'authenticité. Au show du pro, on vous dit la vérité. Right? OK. Ne jamais accepter de reculer ni d'abandonner. Donc, vouloir réussir en faisant tout pour y arriver. It take what it take. It take what it take. No matter what. Tu sais, ça prend quoi d'après toi pour faire un champion? Ça prend des efforts incommensurables et ça prend beaucoup d'investissement de soi-même et d'heures de travail. Le champion de votre femme, le champion de vos enfants, le champion de votre vie, de vos amis, de vos parents. C'est ça, être quelqu'un de complet. T'as rien qu'un physique. Non, marche pas. Tu peux pas juste être ça. Moi, je m'en vais d'un backstage de bodybuilding. Moi, je porte jamais de jugement. Si je vois une fille, ils sont là. Non, salut. Non, tout ce que ça veut, c'est des photos. T'es qui, toi, ce panel-là? OK, ça va bien? Oui! Si, boire, t'es là, j'en veux pas. Non. Là, t'as l'autre à côté, le gars, tu y passes. Moi, je suis Johnny. OK, salut Johnny, ça va bien? Hey, dumbbell. OK, t'es en forme, dumbbell. OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie, dumbbell? OK, bon, lui, il n'y a rien à faire avec. OK, c'est bon. Tu sais, puis c'est dans toutes les sphères, là. T'es du bon monde, puis du mauvais monde, il y en a dans toutes les sphères, là. Il y a du monde, des fois, qui disent « Dans la police, il y a des imbéciles. Dans l'armée, il y a des imbéciles. » Non, excusez. Là. Il y a des imbéciles partout et il y a des bonnes personnes partout. Et dans tous les sports, il y a des bonnes personnes partout et dans toutes les sphères possibles. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des gens clés dans votre monde, collés après eux autres. C'est ça qui va vous aider. Vous avez de la misère, tenez-vous avec des winners. Hein, mais lui, il y a ça, moi, j'ai pas ça. Jalousez pas, don't bitch out. OK? Coller après du monde qui réussisse. Moi, savez-vous ce que je fais? Moi, je m'entraîne avec des gars qui ont plus de bras puis plus d'épaules que moi. Pourquoi? Parce qu'après ça, quand je pose avec eux autres puis je suis en train de break even, je sais que je suis en train d'avancer. Puis tout le long qu'on s'entraîne, là, ils font par exprès à côté de moi, là, puis ils se craignent, puis ils me font des pauses. Ah ouais, le gros, ah ouais. Puis ils m'écœurent. Ouais, je deviens deux fois plus enragé puis je me dis, est-ce qu'il m'a de battre, mon sale, m'a de battre? OK, comme ça, ça m'aide à avancer. Donnez-vous des défis. Les gens n'ont plus de défis aujourd'hui, ont plus. Hein, ils ont tout à portée de main, puis ils font plus d'efforts. Hein? OK, je te parle d'un produit en particulier. Ouais, ça fait quoi, ça? Ben, va-t'en sur Internet. Hey, Tamoxifen Enter, 8 pages. Hey, gros, je sais pas trop où ça se fait. Hey, t'as pas connu ça, toi, la bibliothécaire, là, tu sais, avec le poêle ici, qui te sortait, là, bonjour, c'est pour quel livre? T'as, vous avez pas connu ça, vous, hein? Puis là, c'est dans une semaine, ta location, sinon t'as une pénalité. Vous avez pas connu ça, vous? Nous autres, on a connu ça. OK? C'est comme la cassette que tu ne retournais pas aux vidéos, c'était pareil. Vous avez loué quoi? E.T. l'endroiteur. Oui, bon, mais je suis deux semaines en retard. C'est ça, j'aime le bout, tout ce qu'il fait, E.T. Phonome. H-O-M-M-E, tu sais, c'est un... Bon, c'est ça, excusez. C'est bon. C'est ça. OK, bon. Donc, prendre du recul devant les événements sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. J'ai préparé un athlète l'année passée, à un moment donné, elle a commencé à avoir des problèmes, c'est une fille qui est brillante. Elle a commencé à avoir des problèmes à l'école, etc. J'ai dit, on arrête la préparation. Elle m'a regardé, elle a fendu en quatre, elle s'est abroyée. J'ai dit, non, t'arrêtes de broyer. T'arrêtes! T'es pas juste la fille qui se monte en bikini en avant.
Chris, t'étudies en pétrochimie, esti, t'as une tête sur ses épaules, tu vas faire ça toute ta vie. Les shows de bobettes, ça t'amène pas une Christie de scène. On arrête ça là. T'es en train de flouber ta vie, ça vaut pas ça. Ton show de bobettes vaut pas ça. Merci, monsieur le caméraman. Sortir de la zone de confort pour sauter dans la fournaise. Yes, get into the furnace. Tu sais, si vous faites tout le temps les mêmes affaires, il se passera jamais rien. Accepter de ne pas toujours réussir du premier coup. Beaucoup de déceptions rares sont les célébrations. Beaucoup de déchus, peu d'élus. C'est fait comme ça. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos objectifs sont obsolètes et que votre défaillance génétique ne font pas de vous un bon athlète. Alors, je vous revois la semaine prochaine pour un autre show au Show du Pro!